Pour moi, c'est bon. Non, non, il était pas méchant. Ah, voilà. Là, on est vraiment sur la descente. Oh. Mettre une vitesse un peu plus grosse. Oh là putain, on l'entend Mathias hein. Je sais pas trop si c'est le chemin, il est passé là mais... En fait le chemin il passe un peu dans tous les sens ici. Là il y a de la pomme de pin à tout va. Ça la pomme de pin, ça glisse. Donc là les amis, je l'ai pas dit dans la vidéo, mais on est dans le Beaufortin. Quoi? Ouais, je suis concentré, c'est le virage là. C'est le virage qui passait pas. Ouais, ouais, mais c'est. J'ai mal tourné. Et du coup, je suis allé dans la pente. Et du coup, bah voilà. Là, je remonte sur le vélo. Ouh. Ouais, ouais, fais pivoter. Ouais, elle tourne pas beaucoup la roue arrière. Vache. Donc là, moi je descends tranquillou, doucement mais sûrement. Si vous venez de rejoindre la chaîne YouTube, sachez que je roule en handisport. Je suis handicapé moteur, ça ne se voit pas mais c'est bien le cas. Et c'est déjà pas mal ce que je fais. Donc pas besoin de me dire de lâcher les freins, je suis au max. J'ai passé partout. Ouais, il est cool hein. Ouais, il est balisé vélo, mais t'as vu, il est balisé jaune. Parce qu'ici, il balise bien les couleurs. D'accord, ben ouais. C'est tracé en duo en fait. Ouais, ouais, donc c'est nickel. Ok. Tes freins, ils sentent le cramer quand même, hein. Ouais, mais plus ça crame, plus ça va. Plus ça crame, plus bon, ça freine. On toujours pas à freiner sec d'un coup, quoi. Si jamais il y a quelqu'un devant, ouais, hein, pour le calme. Platane ou bonhomme, au choix. Moi, je tournerais bien à droite, là. Qu'est-ce que t'en penses? Bah, j'ai bien fait de passer à droite, c'était cool. Ouais, dans le Beaufortin, il y a plein d'itinéraires VTT, homologués itinéraires VTT. Là, on est sur un itinéraire enduro, et je trouve ça génial parce que on est sur du sentier où tout le monde passe. Je pense pas qu'il y ait tant d'accidents que ça, et c'est super agréable, quoi. Donc là, on est bien dans le Beaufortin, les amis. Hein. Une heure de route de Saint-Gervais. Ouh. La marche. Ouais, bah le moteur touche avec la compression de la morto. Ouais, ça regarde de la compression et après. Ouais. Bon, donc voilà, bah on suit après le parcours. Hein. Bah on suit le bazar, hein. Ouais. Allez. Tu vas voir que ça va être. Jusqu'en bas comme ça, on va voir les bouteilles. Il y a du monde devant ou. Non, non, personne. Bon, bah, cool. Cool. Allez. Bonne balade. Ouais. Bonne balade. Mathias, il a fait un petit dérapage bien merdique là. J'aime bien le mec. Mathias, il dit au gars bonne balade. Le gars, ouais. Moi, je lui dis bonne balade, il me fait ouais. J'aime bien, c'est simple, c'est concis. Les amis, c'est costaud. Ouais. Putain, on suit Mathias juste à l'odeur du cramé.
J'avais une pierre qui descendait, je l'ai arrêtée avec mon pneu, qu'elle n'aille pas tomber sur Mathias ou sur quelqu'un d'autre. J'ai le genou gauche, la rotule qui est en train de pas se déboîter, mais pas loin. Moi, j'ai fait des transferts pédestres. Et il a fallu que j'arrête une pierre parce qu'elle roulait vers toi. Okay. Putain, ça sent le cramé. Pour une fois que c'est pas mes freins qui puent. En plus, je sais pas comment je freine de l'avant parce que j'ai aucune précision. Enfin, ouais. Des fois ça freine, des fois ça freine pas. Du coup, et sur un sentier aussi raide, c'est flippant. Ça chasse de l'avant, des fois. Je me dis, ouais. Ah ouais, ça freine pas finalement. Ton sac. Ouvert. Ouais, je sais pas, j'ai l'impression. Il tangue un peu. Non, c'est bon. C'est bon, c'est ça donnait une impression, mais non. Je regarde combien de temps ça fait, 5 minutes. Bon, ouais, les amis, on se quitte, on se retrouvera pour une prochaine vidéo et abonne-toi.